Salut les gaufrettes! Alors, cette rentrée, elle s'est bien passée? Prête pour affronter l'année? Pour aujourd'hui, j'ai bien envie de vous proposer des recettes pleines d'énergie pour bien se préparer une journée de cours. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se penche sur le repas le plus important de la journée, le petit-déj. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine! Lavage de main et go cuisine! Pour les bread cakes, il faudra une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium, 80 g de farine complète, une demi-cuillère à café de cannelle, 250 g de chair de banane, 65 g de sucre roux, 70 g de flocons d'avoine, 100 ml de lait ribot, 12 pruneaux dénoyautés et une pincée de sel. Je tamise et mélange la levure, le bicarbonate, la farine et la cannelle. Dans un autre saladier, j'écrase les bananes et les fouette vigoureusement avec le sucre. J'ajoute le lait et les flocons d'avoine. Je mélange bien. J'ajoute les ingrédients secs tamisés et la pincée de sel. Je mélange à nouveau. Je remplis le moule à mini cake et plonge deux pruneaux dans chaque alvéole. Ça part au Cake Factory, programme 2 pendant 35 minutes. Pour le smoothie, il faudra un pamplemousse, une mangue et deux bananes. J'épluche le pamplemousse et le coupe en morceaux. J'épluche la mangue et prélève sa chair. J'épluche les bananes et les coupe en morceaux. Je passe tous les fruits au blender jusqu'à obtention d'un mélange onctueux. Tu peux servir ce smoothie avec des glaçons si tu le souhaites. Voilà, super rapide pour un petit-déj sain et fait maison. Parfait pour ce début d'année et parfait pour vous donner toute l'énergie dont vous avez besoin dès le matin.
il est l'heure de vous laisser vérifier le contenu de vos cartables pour ne rien oublier lundi matin. On se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.